Les championnats d'Europe de padel 2024, c'est parti. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Françaises sont tombées dans une poule de la mort avec la Belgique, le Portugal et la Pologne. Alors les Polonaises, les pauvres, ça va être très très compliqué. Et ça a commencé dès ce lundi matin avec une victoire écrasante des Françaises, 3-0. Mais la Belgique et le Portugal, ça sera très très différent. Et on vous rappelle que les Belges ont battu les Françaises en 2022. Alors bien sûr, ça va être serré et il n'y aura que deux équipes par poule qui sortiront. Pour les hommes, ça sera un petit peu moins compliqué car si eux aussi, ils ont eu la Pologne, ils seront accompagnés de l'Autriche et des Pays-Bas. Alors évidemment, il faut jouer les matchs, mais ça va peut-être aussi permettre de pouvoir tourner et de faire des essais pendant ces poules parce que derrière les phases finales, ça va être très très important. Mais bien sûr, il faut jouer les matchs les uns derrière les autres. Alors, que pensez-vous de ces poules et de ce début d'Euro 2024? Est-ce que les filles vont réussir à s'extirper de cette poule vraiment très très difficile? Est-ce que les hommes vont faire le job et réussir à être en confiance en arrivant dans les phases finales? Est-ce qu'ils vont finir premier de leur poule? Voilà, tout ça c'est dans les commentaires, on attend vos réactions et bien sûr vos encouragements pour les équipes de France.